Voilà, je vous ai promis. Et voilà, je suis avec lui, notre petit, comment tu vas? Je vais bien. Voilà, je suis avec, ça va avec lui. Non, ne m'appelle pas patron, appelle-moi Steve, tu comprends? Voilà, je suis avec Foussam avec lui. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Tala Stéphane Harrison. Oui. Et je vis au Carrefour Inter. Ici à Bafoussam. Ici à Bafoussam. Et les gens t'appellent comment quand tu chantes là? Les gens m'appellent 16 giga. 16 giga. 16 giga. Un peu comme la carte mémoire. Ouais, ouais. Pourquoi t'appelles 16 giga? Parce que je chante tous les morceaux dans le monde entier. Tous les morceaux dans le monde entier. Bon, voilà. Il y a une vidéo de toi qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, tu es en train de chanter. Tu peux nous refaire ça d'abord, avant qu'on ne commence même. Ouais, ouais, monsieur. Ah, vas-y. Ne m'appelle pas monsieur, je m'appelle Steve, tu comprends? Allez, vas-y, à haute voix, chantez-nous ça. Ah. Yes. Hommage à papa Jean de Tinganya. Décidé le 8 octobre 2018, suite d'une grande maladie. Adieu, cher papa. Donc cette chanson, c'est un hommage à qui? Cette chanson, c'est à mon hommage grand-père. Oui. Il était dans une suite maladie. Oui. Il est décédé le 8 octobre 2018. D'accord. Et on a chanté cette chanson pour lui. Ah, pour le dire au revoir. Pourquoi à chaque fois tu fais l'instrumental avec ta bouche? Pourquoi tu n'as pas les machins, tu fais avec ta bouche? Parce que je suis trop fort. Parce que tu es trop fort. 16 gigas. Ok, à part cette chanson-là, habituellement, est-ce que tu fais comment pour gagner ta vie? Tu chantes comme ça pour gagner ta vie? Tu vas souvent dans les bars, dans les deux, c'est ça? Bon, quand tu vas souvent dans... Bon, il y a quelle chanson que tu peux faire là maintenant? Une chanson américaine par exemple. Tu as dit que tu sais toutes les chansons du monde, non? Toutes les chansons, tu peux, non? Une chanson américaine. Quelle chanson? Les chansons américaines. Choisis n'importe quelle chanson, tu nous fais ça. Mais on commence un peu par le Nigeria. Le Nigeria. Ok, d'accord, le Nigeria, oui. Quelle chanson? Je vais chanter un peu Flavor. Flavor, vas-y. Flavor. Allez, Flavor. À toi, l'artiste. Voilà. Voilà, c'est le grand Barak qui te parole. Voilà. On est à Bafoussam avec grand Barak. On a oublié de dire qu'on avait grand Barak. Voilà, donc grand Barak est venu en concert à Bafoussam. On a profité pour rencontrer ce talent. Voilà, on a notre ami Gapa qui est là. C'est lui qui nous a aidé à retrouver le petit. Okay. Voilà. Ça dit quoi, Moula? Grand Barak, ouais. Tu farotes? Non, il faut encourager la jeunesse. Ça, c'est très impeccable. Voilà. Ça, donc, c'est bien ça. C'est voilà. Il est très courageux. Voilà. Ça, c'est donc, bien ça. Mon ami, c'est impeccable. Donc, dis-moi, maintenant. Il a le talent. Ta vie, tu vis avec qui? Monsieur. Maman, tu vis avec qui en fait à la maison? Je vis avec mes oncles. Oui. À la maison. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. L'école, tu as fait comment de l'école?
suis dans une famille très pauvre. Oui. Et je travaille très dur pour continuer mes études. J'ai quand même pris le CEP avant de sortir à l'école. Et c'est pour ça que je me bats un peu, que j'ai fait une demande d'emploi à mon patron. Au marché A. Tu travailles quoi là-bas? Je vends les papiers hygiéniques, les lettuces, les marques, un peu de tout. Ah, dans tu marches avec et tu vends? Ouais, monsieur. Tu marches souvent avec les papiers hygiéniques et les lettuces? Oui. Ah, d'accord. À part ça, est-ce que tu sais faire quelque chose? Est-ce que tu es technicien? Tu sais faire quelque chose? Non, non. Tu sais rien. Tout ce que tu sais faire, c'est vendre comme ça et chanter. Oui. Bon, maintenant, une chanson camerounaise que tu maîtrises bien. Tu es 16 gigas, tu maîtrises tout. Une chanson camerounaise. Quelle chanson? Sujet. Hein? Tu as pu la comprimer aussi. Oui. Elle était la plus belle femme. Elle te dira que je t'aime. Ma dernière chanson pour toi. Je ne connais pas pourquoi la première est naïve. Elle était si belle comme l'éclair. Elle était si jolie comme l'éclair. Dis-moi. Pour te dire vrai, je n'ai pas reconnu qui chante cette chanson. C'est Talandré Marie. Ah bon? C'est Talandré Marie, hein? Oui. Et mon ami. Attends, qui chante ça? C'est un français, c'est un slow français en fait. C'est pas Talandré Marie. Ouais, c'est un slow français qui a chanté Talandré Marie au Martin Collège. Ah bon, hein? Oui, il a changé. Ah, Talandré Marie a repris ça, hein? Oui. Ou alors peut-être. Ah, ok, d'accord. Les paroles ne sont pas les paroles de slow français. Ah, d'accord. Maintenant, une musique typiquement camerounaise. Les gens que les jeunes aiment là, un Camerounais, je sais pas, ténor, loco, n'importe qui, au Cameroun, Maloc, n'importe qui. Je peux chanter seulement le Yorobo, Barracuda. Non, au Cameroun. Au Cameroun. Oui, c'est vrai qu'on peut rendre hommage au Barracuda, mais au Cameroun, vas-y, fais un. Bon, je vais chanter alors un son d'un Camerounais. Ouais, vas-y. Alors. Prends la pause. Voilà. Bon, on va chanter tes noms comme tu as dit. Ok, d'accord. Sur le bilingue de ma totale, avec nous. Et le gars l'a parfumé. La fille a bien aimé parce qu'elle fait plein de rangées. Mon âme. Le gars là ne te choque pas. Pourtant, tu lis qu'il est ouais, qui veut bien te déranger. Les bouteilles de salim, on la prend comme ce soir, c'est pour déranger. La bouteille dérangée, la bouteille dérangée. On n'est pas là, pas là, collé, on casse la bouteille dérangée. Et que quoi? Il veut me déranger, me stabiliser. Il veut envoyer son jonjou dans mon cabandolo. Il n'a pas le dos, mais il veut le chaud. Adamant, pas le bruit là-haut, pas le pan là, monte. Montre-moi, c'est bon. Voilà. On est avec notre ami 16 Giga, on est à Bafoussam. J'ai fait le déplacement pour toi, j'ai demandé qu'on te cherche. Parce que vraiment, je pense que tu mérites d'être soutenu. On a vu ta vidéo, beaucoup de Camerounais se sont mariés. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas voulu pousser avec l'école. On va voir dans quelle mesure on peut t'accompagner là-dedans. D'accord? Et aussi, dans le domaine musical, on va voir dans quelle mesure on peut t'accompagner. Voilà. On est toujours avec mon ami 16 Giga. Dis-moi, tu fumes? Non. Tu ne fumes pas? Je ne fume pas. C'est vrai, tu ne fumes pas. Je jure. Tu n'as jamais fumé? Jamais. Tu bois? Non. Tu ne bois pas l'alcool. Tu ne bois pas l'alcool? Oui. Tu es sûr? Je suis sûr. D'accord. Parce que vraiment, si on doit t'encourager, il ne faut pas que tu sois le genre de jeune qui s'adonne à l'alcool et qui fume le chanvre et tout. Non. Un jeune doit être responsable. Tu es responsable? Ouais. Tu as des amis? Mec, j'avais des amis, ils sont trop bizarres, je suis parti. Et quand tu vas souvent dans les deux là, pour chanter, tu vas souvent dans les deux pour chanter, n'est-ce pas? Oui. On te paye combien? Souvent, c'est mon. On me prend.
Bon, me donne 30 minutes pour partir. Oui. Quand je chante, on voit que c'est bien. Même ceux qui viennent me voir, je me motive. D'accord. En tout cas, ne te dérange pas. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. Je suis tellement content de t'avoir rencontré. Et j'espère qu'on va tirer profit de ce talent que tu as. Tu comprends? Et on va essayer de voir dans quelle mesure. Peut-être tu peux continuer avec les études tout en faisant ce que tu aimes bien faire, chanter. Voilà, tu vois un peu. Tu vois ce que tu fais là, ce que tu fais avec la bouche là. On appelle ça le beat, c'est beatboxing. Tu connais ça? Il y a des gens qui gagnent leur argent juste en faisant avec la bouche comme tu fais là. Mais toi, tu fais ça et tu chantes. Tu sais ta cause d'instrument? Non. Tu sais pas? Toi, tout ton instrument, c'est ta bouche. Ah non, ça fait plaisir. Et les chansons comme celle avec laquelle tu as commencé, les chansons de connotation traditionnelle là. Tu en connais plusieurs que tu as écrit toi-même? Je suis en train de vouloir écrire l'autre. Ah, l'autre. Mais que c'est de ma part moi-même. La première chanson, c'est ta chanson? Non, c'est pour moi et Bejo System. Mais ah, vous avez chanté ensemble? J'ai pris un peu sur pour lui. Oui. Pour chanter ma part. Mais comme vous savez, il dit que si on veut me payer, ça, l'argent doit passer par lui. C'est pour ça que je le laisse la partie. Parce que c'est pour lui. Ah, d'accord. Je peux pas, on appelle ça la piraterie. Si je chante ça, le monde entier voit. Bon, c'est peux ok, faire d'accord. La non, c'est clair. Voilà, non, c'est bien de savoir déjà cela. Donc, tu vas écrire ta part de chanson. Voilà, tu vas écrire ta part de chanson. Une chanson qui est propre à toi. Et peut-être avec ça, tu vas faire le buzz, un buzz planétaire. Pourquoi pas devenir comme le grand Bara qui est là, on va t'inviter dans les concerts. Peut-être, n'est-ce pas? Voilà. Allez, mon frère, prends soin de toi, d'accord? Avant de partir, je vais te laisser quelque chose, ok? Allez, prends soin de toi. Bon, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo avec 16 gigas. Notre ami Tala, il s'appelle Tala. Voilà, retenez son nom. Tala, vous entendrez peut-être parler de lui très très prochainement. On dit quoi? On dit au revoir, allez, dis un dernier mot, gars. Au revoir. Et je suis avec mon patron. Non, je suis pas ton patron. Voilà, dis un dernier mot là-bas. Merci. Voilà. À tout le monde. Voilà. Salut tes fans qui ont regardé ta vidéo et qui ont beaucoup. Qui sont mariés. Tu salues tes fans. Je salue tous les fans. Voilà. Je m'amuse encore. Voilà. De loin ou de près. Alors, ça fait plaisir. Chaîner la rancœur. Bakore Manaman. Chaîne. Attabé la madine, ça va. Ordinateur, ma dégueula. Yo Je comprends bien ce que tu dis devant les gens. Devant les gens. Ah oui, bande de amagoyo, oh yo. Ah oui, bande de amagoyo, goyo. Arafat, tu t'amuses. Tu me connais pas, tu t'amuses. Arafat, tu t'amuses. Tu me connais pas, tu t'amuses. Pourquoi tu veux cacher aux gens que je suis ton leader? Pourquoi tu veux cacher aux gens? Et que je suis ton leader. Si je n'étais pas là, tu ne serais jamais deux fois un Koraman Ben. A toi, faut appeler Mélodie. Regardez, bam 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 bam. Faut appeler la nation, le petit a grandi. Écoulez maman.